Tu es tellement rusé, je t'ai servi. Maintenant, là, je quitte ton camp pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que vous êtes prêts? Nous, on parle beaucoup ici. On appelle ça des aveux. Vous allez vous asseoir. Vous mangez les uns. Viens, toi, viens. Je veux. Comment tu t'appelles? Hein? Tu es sorcière. C'est quoi? Oui. Tu es sorcière. Oui. Qui t'a donné? Oui. Tu es nièce. Tu es née avec ça. Sorcière, c'est quoi? T'as dit que tu as parlé. Sorcier, c'est quoi? On fait quoi avec ça? Quand les sorciers, on fait quoi? Ouais, le micro. On prend pour tuer les gens. Tu as dit à tuer. Fais le micro. Oui. Hein? Combien? Fais le micro. Oui. Comment tu as tué? Tu as tué qui et qui? Le fils de ma maman. Le fils de ta maman. Il n'a pas de nom. Gédéon. Et puis qui encore? Sa hein? La femme de son mari. La femme de qui? Sa soeur. Quelle soeur? Elle. La soeur de qui? Son mari. Aïe, il est fatigué. Tu as tué la soeur de qui? La soeur de ma maman, son frère, sa femme. Elle n'a pas fait ses biens. Ah bah c'est bien. Une belle à l'école. J'ai compris. Ton français là. On fait avec ça, hein. Le mari de qui? Tu as tué le frère de ta maman. Ah, ok. La femme de ton oncle. En français, on dit oncle. Répète. Voilà. On va t'apprendre. Tu comprends? Tu t'es délivré. Tu vas aller à l'école. Ça t'embête. Ça se délivre. Comment t'as tué Gédéon? Il a brûlé. Hein? Il a brûlé. Explique. C'était un enfant qui venait à partir. C'est son frère. C'était quoi? Une nuit. Et un matin, oui. Un matin. C'est la nuit ou matin? Matin. Matin, oui. Ok. Elle dit n'a pas venu en partie. Qui a dit n'a pas venu? Elle dit qui n'a pas venu? N'a pas venu en partie. Qui n'a pas venu? Son fils. Gédéon. N'a pas venu en partie. Qui va? N'a pas venu en partie. Il partait avec qui? Non. Où? C'est son frère. Ah, c'est son frère. Ok. Lui, il dit va attendre. Un enfant t'a tué, c'est ça? Après, il va venir. Il va attendre. Après, il va venir. Mm-hmm.
Hein? Puis il y avait une femme qui avait voulu divorcer. Explique. Puis le bouge. Non, j'ai pas bien saisi. Gédéon là, il est resté un matin. Attends, on lui a demandé de venir. Lui, il est resté. C'était où? Où? T'es caché? Ah, quoi? Il y a une maison en bas là-bas. La maison quoi là-bas? Ok. Donc, il n'est pas parti. C'était où? Elle est partie où? Hein? Ah, vous devez partir à Bono ensemble avec Gédéon. Lui, il a décidé de rester. Maintenant, la nuit, c'est ça? L'opération s'est passée la nuit. Oui, la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Parle fort. Hein? La nuit, a allumé bougie. Qui a allumé bougie? Hein? Toi. Tu as allumé bougie. Il faut bien expliquer. Toi, tu étais à Benoît, comment tu te retrouves dans la chambre pour allumer bougie? Hein? Ça veut dire quoi? Tu es oiseau. Tu es oiseau? Explique-nous comment tu t'es volé. Je ne veux pas voir quelqu'un entendre parler. Laissez les gens faire les aveux. Je vois où maintenant. Tu as fait comment pour te retourner dans la maison, toi étant au boulot, comment tu as fait pour te retourner dans la maison de Gédéon? On t'écoute hein, tout cela. Faut que tu nous expliques ça. Et si tu expliques à un blanc, il va dire, mais vous écoutez une folle. Et puis on dit, non, laissez là, vous êtes en train de... L'esprit est en train de la petite, la petite. C'est vrai ou c'est faux? C'est lui qui t'en a dit. Hein? C'est vrai. Non, comment tu t'en rends debout, Benoît, qui te retrouve dans la chambre de Gédéon? Hein? Envolé, d'accord. Tu es arrivé là-bas et tu as allumé bougie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ah, d'accord. Cassini, son mot sur le champ. Qui est sa parent et son parent? Venez. C'est le prophète, n'est pas monsieur. Je ne suis pas en classe de. Je n'ai pas un lycée. Si c'est le prophète, on dit. Venez ici. De côté. Passez de l'autre côté. Les Gédéon, là, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils. C'est mon fils? Il est mort comment, les Gédéon, là? Non, allez doucement, il faut pas aller là. Quel vendredi? Je lui ai dit à l'homme. Elle est qui pour vous? C'est ma petite soeur, c'est le dernier de mon père, sans les chimaux. Garçon plus femme. Garçon plus femme. J'ai dit avec eux. Non. Gédéon, pas. Gédéon, mon fils. Ce sont ma petite soeur, la dernière de mon père. Puis j'ai vu avec eux. Vous venez d'où? Vous venez ici, en ayant droit. Ah, oui, la finesse aussi. Les niveaux dansent du panthère. Vendredi, j'étais malade. J'ai dit, moi, c'est ma grande soeur pour me soigner. J'ai dit, alors. J'ai dit, non, maman, faut partir. Et j'avais déjà préparé le coup. Déjà. Maintenant, j'ai dit, les deux vont partir. Elle et puis son frère. J'ai dit, alors. J'ai pris les deux. On est parti. J'ai dit, non. C'est moi qui sa mère que je lui ai mis à l'école, il n'a rien compris. Comment il est mort? Tu as vu ça après? Gédéon, il est mort avec le fait, avec son ami. Son ami est type. Comment? Son ami est type. Intime, d'accord. Il a compris ça avec le vieux jumeau. Je l'ai laissé samedi matin, vers 16h comme ça, il dit bon, je m'en vais. Matin, t'annonce? Matin, je suis parti samedi. Dimanche matin. Dimanche à l'heure comme ça, ils ont appelé mon petit frère. Et mon frère est mort à la maison. Avec son ami. Calciné. Calciné maintenant, je n'ai même pas vu le corps de mon ami. Tout mes pieds. Oui, c'est appelé mal. C'est mon légume qui a payé les pains pour ma vie où j'ai la casse là.
Bethléem. Mais c'est un expert de l'église. Ils ont cotisé. Bethléem et le poumon. Quand nous traînons. Non, 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 tu pas le nom d'église. Mon enfant a eu un mot. Donc celle-là, elle a dit que ça bouge. Celle qui a prié chez nous. Ah, donc vous l'avez envoyé pour qu'on la soigne. Pourquoi? Elle, c'est qu'elle dit la vérité. Non, 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 non. Répondez ma question. Oui, monsieur. Non. Oui. La dernière fois, monsieur. Là-bas, tu appelles quoi? Tu dis à l'église, puis tu dis, monsieur. Papa. Tu es dans la classe de. Papa. Papa. Là, je t'assure, c'est ça. Okay. Ok, ok, ok. Donc, vous l'avez envoyé pour la faire soigner. Oui. Parce que nous prenons la sauce. Ouais, si vous ne présentez pas comme la maladie, vous n'allez pas comprendre. Les larmes vont vous choquer. Donc, pour mieux faire passer le message, parce qu'il y a un message derrière, vous dites même le sorcier là, si je ne veux pas trop exagérer, pour ne pas vous choquer, le sorcier nous est victime. Parce qu'il y a peut-être un moment de remords. Monsieur me tue, il regrette, mais il ne sait pas comment sortir de cette affaire. C'est cela que l'Église ne doit pas toujours condamner. C'est ça. Nous avons bien condamné les gens. Juger les condamner. Faire un procès. Nous avons le pouvoir, nous avons reçu le pouvoir de Jésus de délivrer les gens. Jésus mérite d'aller délivrer les gens. Nous pouvons être là délivrés. Tu reconnais avoir tué Jésus? Ok, merci. Mais je pense que tous les aveux, elle avait déjà parlé, c'est ça? Elle a dit qu'elle s'est tuée, j'ai dit. Ça, elle dit, elle a pas dit le nom du prophète. Tu l'as dit. Ou la prophète soignée. Elle n'a pas parlé. Non, je n'ai pas. Non, ici, laisse ça. Ici, là, nous, c'est mieux faire le travail que vous. Je t'ai posé la question. Elle a déjà parlé avant de venir. Vous l'avez envoyée pour la délivrer. Pour qu'elle soit délivrée. Ok. Allez, laisse moi. Donc, tu es malade. Tu as sorcellerie. Tu as tué Gédéon. Tu as préparé le coup. Oui, c'est ce qu'on appelle. Je vous explique un peu le phénomène de la sorcellerie. Vous savez, dans la vie, rien n'arrive. Le hasard n'existe pas. Tout est déjà programmé. Le fait même de dire à Gédéon, viens en partie, il a dit non. La nuit, c'est déjà programmé. Elle, c'était un, il devait mourir. C'était déjà programmé. Donc, ils ont tué son cœur, sa conscience, tout ça. Il y avait déjà un esprit de mort qui était déjà emparé de lui. Tout ce qu'il avait dit. Et paix à son âme, peut-être. Maintenant, si on pouvait causer à lui, et elle vous dit que dans cette période-là, toutes les nuits, il voyait des morts. C'est le matin. Quand vous réveillez, vous voyez des corps, vous parlez avec les gens morts. C'est des personnes mortes dans vos rêves, constamment. Pendant une période de une semaine, ça veut dire que vous êtes déjà victime de la sorcellerie, et très bientôt, ça sera votre tour. Hein? Les songes là, ce sont des révélations. Par la grâce de Dieu, j'ai l'occasion de parler un peu de ça. Les songes, les sataniques. Je vais expliquer un peu certaines choses. Il y a des choses que vous voyez par moment. Et dès que vous découvrez ça, commencez à voir des esprits de mort. Parce qu'il va commencer à travailler, à faire ton âme, parce qu'il est là programmé à la mort. Et c'est bien, réalise les sorciers. Ils vous ont déjà mangé. Hein. Il est calciné, mais il y a longtemps, il a déjà mangé de l'autre côté. Hein. Il a été déjà mangé. On fabrique une scène ici, pour ne pas consentir que c'est les sorciers. Par moment, nous, on peut comprendre, ah oui, c'est les sorciers. Hein. Mais d'autres vont venir dire, non, vous aussi. Où est le sorcier dans le fait de monsieur dormait, où est le sorcier qui est venu le brûler? Vous comprenez? Pour nous qui comprenons les choses, nous comprenons immédiatement que c'est les sorciers qui viennent les tuer. Donc, ce qui est intéressant, c'est un message très fort pour chacun d'entre nous. Quand vous levez le matin, et ça, chaque jour, je répète ça, il y a ce qu'on appelle l'aurore. L'aurore, c'est ce qui fait la passation des services entre le jour et la nuit. L'aurore, c'est 4 heures du matin. David dit, je précède l'aurore. Tous ceux qui se réveillent avant 4 heures du matin ont toujours la victoire sur la journée, dans la journée. Oui, parce que les musulmans, ils connaissent ça. Vous les chassez, tu les gens pour avoir l'argent. Ils connaissent le pouvoir, ils connaissent les actions. Ou toi, tu dors dans ta chambre, tu ronfles.
Souvent, moi, dans le temps, on est en train de jouer au orchestre. On est l'orchestre de Nyaoui Kimi. Tout est grand. Tu vois, tu manges quoi? Il y a quoi, Zadi? Sommeil, là, c'est le concert. Sommeil, c'est le concert. Tout le monde est le quartier vient de qui est en concert là-bas? On a vu des pays qui vont aller danser. C'est le monsieur qui a fait de dormir. Donc la nuit, on a du grand frère, attendez, il fait ton concert. Et ils t'ont déjà pris. Ils ont déjà programmé. Parce qu'ils travaillent. Quand on a du travail, tu vas la nuit, ils font travail de nuit. C'est les ouvriers de la nuit, ils travaillent la nuit. C'est pour ça que les appellent les soubaba. Donc eux, ils programment. Ah, mais ils ne peuvent pas travailler qu'à 4 heures. Dès qu'ils descendent, c'est avant 4 heures. Sorcier qui est resté là-bas, après 4 heures, il reste, il est mort, c'est fini. Son âme ne rentre plus. Parce que l'aurore, dès que l'aurore arrive, tout le monde spirituel, c'est les anges qui descendent pour récupérer, pour faire la bénédiction. Donc l'aurore fait quoi? L'aurore, enfin, comme on a programmé, on t'a programmé le samedi à 20 heures, un cas va te percuter, tu vas rendre un cas, tu vas mourir. L'aurore, il prend le dossier. Maintenant, toi, le chrétien, qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves. Tout ce qui était programmé dans la nuit, là, tu viens, toi, tu déprogrammes ça à partir de 3h30. Donc, quand l'aurore prend le dossier, il ne voit plus la programmation. Dis amen. Amen. L'aurore ne voit plus la programmation. L'aurore remet son jeu. Le sorcier est étonné. Mais on l'avait programmé. Mais toi, tu as déprogrammé. Amen. On dit, on va donner maladie. C'est après la nuit. Tout ce que ça va t'arriver, là, viendra la nuit. Donc, on programme la maladie. Et toi, tu fais l'orchestre. Prends maintenant plein d'orchestres. En train de faire concert live, c'est ce concert live. Hein. N'a pas de groupe, n'a pas programmé. Laurent prend. Hein? Puis Laurent donne son jour. À tel heure, il doit avoir une maladie. Et tu tombes malade. C'est pour ça que tous ceux qui se réveillent avant 4 heures possèdent la journée. Vous savez, il y a deux pouvoirs au monde. Il y a ce qu'on appelle le lier le délier. Le diable s'est gâté, il ne s'est pas arrangé. C'est pour ça que nous autres, nous allons jusqu'à la restitution. Vous allez voir qu'elle va parler, il va voir forcément les victimes. Nous allons l'amener à libérer les victimes. Parce qu'eux ont le pouvoir de la parole. C'est dans ce ministère-là. Nous ramenons les gens jusqu'à la restitution. Si c'est caché à Korogo, viens me chercher. Vous allez déterrer ça. J'ai montré un petit sujet, j'allais déterrer à Bondoukou. C'est les dangereux aussi, les Bondoukou. Les Bondoukouens. Dangereux en matière de fétichisme. Le monsieur la bizarre. Il parle pas. Bloqué tout, donc tout bloqué. Il prend sa voiture, dès qu'il entre en maison, il tombe. On l'amène bizarre, tout est bloqué sur lui. On dit, mais c'est sorcellerie, on sait que celui qui est spécialiste dedans, là, c'est lui. Faites grâce. Vous cherchez mon numéro, ils ont parlé de mon chef de communication. Dieu me dit, va, n'éteins même pas, c'est une urgence. J'ai voulu, non, j'ai dit, non, c'est même pas une question de faux reporter ça. C'est une urgence. Donc j'ai dit ok, j'ai dit okay, non, il n'y a pas de problème, j'annule mon programme, je m'en vais chez lui. Amenez-moi chez le malade, j'ai regardé le malade, oh, il est fini. J'ai dit aux gens, prêtez-moi une voiture. Paf, je suis allé à Bondoukou. Arrivé là-bas, le petit dit, c'est qui est démontré. On descend dans la coupe, tout le monde sait que j'ai touché tous les éléments avec lesquels je parlais. J'ai une brigade, hein. Ici, là, ce sont les officiers, là-bas, sous officiers chez nous ici. On commence par colonel, général. Voilà, je suis le seul maréchal de la brigade. Amen. Amen. Donc je prends l'huile, je parle sur eux, je les rends visibles. Ce n'est pas sorcellerie. Amen. Amen. Vous allez voir sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie. J'ai parlé sur eux, les ai rendus invisibles. Donc le petit nous cherche dans la cour là-bas. Ça nous cherche. On est même d'été. On a localisé ça. C'est ça, le prophète. C'est l'œil, la capacité de détecter, de localiser quelque chose. Puis j'ai dit au gars, quand il a commencé à piocher, lui-même qui piochait la même courant. L'énergie qu'il a pris là, ça l'a projeté. Il a regardé le truc, il a versé lui d'onction pour neutraliser le pouvoir que j'ai levé. Il y avait un crapaud, des aigus, tout ça. J'ai pris sur aller voir le monsieur. Quand j'ai enlevé, il bouge. Dès qu'il a enlevé, c'est fini. Il a commencé à parler. Jusqu'à aujourd'hui. Délivré. Jouer le pouvoir de. Vous jouez la sorcellerie. Avant nos parents prenaient ça être garçon. Avant quand tu n'as pas sorcier, tu n'es pas sorcier, tu n'es pas garçon dans le village. Maintenant là, on n'a plus besoin de ça. S'il vous plaît. Amen. Non.
Les blancs ayant combattu la sorcellerie, leur plan maréchal en France, c'est nos sorciers noirs nègres qui sont venus prendre par les frères. Comme elle dit, la guerre quoi, deuxième guerre. Vous connaissez l'histoire. Il n'y a pas un guerre vieux qui a fait guerre qui n'est pas sorcier. Comme elle disparaît. Blanc même étonné. Ils avaient le pouvoir de faire disparaître le village. On n'a même plus besoin de ça. Vos sorciers, les blancs ont combattu, ils ont détruit. Si vous dites que ça existe, des pouvoirs mystiques. C'est pour cela que le 22 décembre, il faudrait que l'ONU prenne en compte la journée internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il y a des réalités, ce qu'on appelle la réalité africaine. Nous, ici, là, c'est derrière les pouvoirs mystiques, les gens travaillent. C'est pour ça que les cadres ont fait d'aller au village. On peut prendre ton âme, t'envoyer une maladie et tout ça. C'est pour dire que c'est tellement sérieux. Le premier homme de Dieu qui a commencé à combattre l'Ebola, dès que j'ai appris l'Ebola, quand j'ai regardé comment ça se manifeste, j'ai été le premier à commencer à communiquer là-dessus. Et c'est pour ça que vous allez voir si la vache est dehors, j'ai dit stop, Ebola, stop. J'ai dit à Ebola, stop, la Côte d'Ivoire, là, tu ne rentres pas dedans. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Vous savez que Dieu construit l'église, vous réglez les choses. Au moment où les gens, l'homme dit, ils sont incapables, ils ne peuvent pas arrêter le fléau. L'homme dit, non, ce n'est pas possible, c'est une maladie grave. Je dis, moi, maladie grave, ça n'existe pas dans le langage de Dieu. Impossible, ce n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Donc il dit, Ebola, tu sais où partir. Et je vais à la Côte d'Ivoire, je parle à la Côte d'Ivoire. Je dis, stop. C'est ça que nous avons sur la page d'ailleurs, là. Je dis, stop. Ebola, c'est une sale maladie. Nous avons le pouvoir d'arrêter les mauvaises choses. Amen. Amen. Si vous voyez que les choses continuent, s'enfoncent dans une nation, c'est que l'Église n'a pas dit quelque chose. Ne jouez pas le pouvoir de l'Église. Il n'est pas dit qu'il y a un bâtiment. Il dit non, toi de l'Église, tous les croyants sont Église. J'ai commencé à parler, les gens disent, mais lui, là, il a dit quoi? J'ai dit, sorcier, il allait acheter Ebola en Guinée pour envoyer en Côte d'Ivoire. Sorcier, il voilà, peut aller acheter Ebola à Sierra Leone pour envoyer en Côte d'Ivoire. Sorcier qui connaît la peut aller acheter Ebola à Libéria pour envoyer en Côte d'Ivoire. Mais garde sorcier qui va dépasser la frontière de la Côte d'Ivoire. Il reste là-bas. Au lieu d'aller chercher l'argent pour envoyer, on a un problème d'argent. Va envoyer, te dit merci, ta sorcellerie a merci. Mais oui. Si j'avais l'argent, je ne peux pas dire merci. Viens te dire merci. Mais il ne faut plus faire. Il n'a pas gâté. Il a arrangé. C'est quand il gâte. Mais comme il ne peut pas arranger, ils vont aller, Ebola, ils ont entendu. Mais comme j'ai vu les garde-fous, j'ai commencé à parler à la frontière ivoirienne. J'ai commencé à parler, les cadriers, le sang de Jésus. Partout. Et j'ai commencé à prier Dieu contre le remède. C'est trouvé. Le jour, j'ai dit, j'ai laissé Internet faire les richesses. C'est vous là. Je suis rentré dans mon de prière. Donc, si nous ne faisons rien, les sorciers commencent à travailler. Ils vont agir. Vous êtes là, les petits mangeurs d'orteils, vous mangez, vous priez. Vous touchez, vous priez. Les sorciers, les sorciers, je ne vais plus au village. Tu te caches. Lui, t'as déjà vu, t'es dans la bouteille. C'est des mises en scène. Non, on a déjà mangé. J'ai dit, on a longtemps. On a déjà mangé. Proquet, une mort. Assis. Donc, si tu ne te déprogrammes pas à 3 heures du matin, vous qui dormez, hein? Vous allez dormir jusqu'à la grâce matinée chez nous. Non, vous ronflez. Ça devient concert. Hey, c'est con, c'est comme il disait le monsieur, il a même fait un conseil, il ronfle. Tous les ministres sont complets, il n'y a pas un qui batterie au bras, orchestre. Mais c'est pour ça que les sociaux, ils dansent, ils sentent qu'il y a un show dans ta maison. Amen. Et dès que tu commences à. Regardez, quand vous voulez dormir, prenez le psaume 4, le verset 9. C'est fini. Vous devenez invisible. Amen. Il y a tout dans la Bible. La Bible, il y a tout dedans.
Psaume 4, verset 9. Je me couche, je m'endors en paix. Ô Éternel, tu me donnes de la sécurité dans ma demeure. Vous ne savez pas ce qui est en vous. Amen. On dit, mais le prophète, la trace Jésus, est sorcier. Elle dit, Jésus a attrapé sorcier. Elle dit, Jésus ne fait plus que lui. Jésus n'a pas de faire comme lui. Elle dit, il ne fait plus que lui. Est-ce au temps de Jésus, elle est sorcier? Chez nous, il y a sorcier. Vous parlez de quoi? Jésus, il n'y a pas sorcier. Si elle est sorcier, elle a attrapé. D'ailleurs, même lui, il a attrapé sorcier. Quand vous lisez Marc 16, à partir du verset 18, 17, il dit, en mon nom, vous saisirez les serpents. Le diable, c'est le serpent. C'est le symbole du serpent. Il faut le saisir et puis le annuler son venin. Parlez-vous, moi, il y a trappe sorcier. Vous me critiquez, il y a trappe sorcier. Sorcier, le mauvais. C'est mangeur d'âme. J'attends qu'on m'invite dans les villages. 2015, là, c'est très chaud dans les villages. Je suis en train de m'équiper, l'orchestre, tout ça. J'ai approuvé de dire merci à Augustin qui m'a offert une X5. Merci beaucoup. Je commence à avoir battu, hein. Non, pas couteau. Croisade, on va faire un poussi dans vos villages. Vous voyez, comment les sorciers entendent les gens. Vous voyez, ça vous dit rien. Mets l'argent dans maquille, dans les coloris, là. Ça, vous êtes prêts pour ça. Mais pour donner pour l'œuvre de Dieu, vous avez dit, vous regardez qu'on mange. Et vous regardez qu'on mange. Vous investissez mal. Vous envoyez votre argent pour qu'on va faire l'œuvre de Dieu. Ça vous dit rien. Quand on parle de l'œuvre de Dieu, ça vous dit rien. Ok. Donc quand le sorcier parle avec manger Dieu, mais quand il parle, il ferme son oreille. Il dit, mangez-le. Faites des mains sauce arachide, hein. Le reste, là. Faites sauce arachide, elle est sortie. Elle foutue. La meilleure manière de toucher Dieu, là. Il dit, quand un pécheur se répand, le ciel est dans la joie. Donc, quand le cœur de Dieu est rejeté, t'es béni. Vous ne voulez pas investir dans l'œil de Dieu. Vous voulez compris pour vous, compris pour vous, compris pour vous, compris. Bien, monsieur. Et Jean, il s'appelle Benjamin Pinga, c'est un Camerounais. On ne s'est jamais vu, une fois sur le Skype. Mais Dieu m'a dit, il a plus de 500 000. Chaque fois, il dit, mon argent, j'ai travaillé à cause de toi. Depuis, j'étais riche, il y a quelqu'un qui m'a travaillé sorcier. Moi, j'ai travaillé pour toi. J'ai envoyé chaque mois l'argent. Tu vas manger ta petite facture. J'ai dit, tant que je serai vivant, toi aussi, on va te manger. Si tu paies ma facture, j'ai fait partie de mes sujets. Tu ne paies pas ma facture, j'ai prié pour toi un jour, et le reste, je ne prie pas pour toi. Toi-même, tu dois prier pour toi. Chacun prie son Dieu. Aïe. Tu as fait quoi prier chaque jour, prier pour toi. Dieu dit, je me souviens. Hein? Vous m'avez dit quoi? Quelqu'un qui me bénit, son chien doit me manger. Tu as payé facture. Quel effet du monde s'inquiète? Ah, je dois payer maison, je dois payer l'eau. Le monsieur de lui, il paye ça. Moi, je laisse le manger. Je suis malade, bien. Dès que je suis devant le Seigneur, je me souviens de lui. Vous ne savez pas toucher le cœur de Dieu. Quand je suis tout le cœur de l'homme de Dieu touché, c'est comme Dieu est touché. Vous voulez compris son mal pour vous. Compris son mal. Moi, je n'ai pas prié. Il dit aux gens, je n'ai pas prié. J'en ai ta vienne dans l'embouille des sorciers. Viens, il va. Mais bien saisi. Arrêtez vos orchestres, vous faites la nuit là. Brrr, bang, 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 bang. Arrêtez ça. Amen. Amen. Commencez déjà à prier à partir de 3h30. Commencez à parler. Quand vous commencez à prier, là, l'argent ne va plus manquer. Amen. Amen. Si l'argent te manque, tu deviens démon. Le jour où l'argent va te manquer, là, Satan va venir t'attaquer. Tu vas aller te prostituer. Tu vas aller mentir, anarcher, mentir les gens. Mentir. L'argent, c'est un pouvoir. Et lorsque l'argent appartient à Dieu, pas à Satan. D'ailleurs, il ne faut pas aimer l'argent. Pas ça. Moi, j'aime l'argent. Mais j'aime l'homme plus que l'argent. Ça vous choque. Si tu n'aimes pas l'argent, t'as cherché ça comment? Quelque chose que tu n'aimes pas, t'as cherché. Tu jettes. Et c'est ça, c'est le risque de Satan. Travaillez, vous allez avoir l'argent. Amen. Amen. Voilà qui Dieu veut. Le temps commence à être bizarre. C'est sorcière. Tu as tué Gédéon. Tu l'as brûlé. Tu étais contente. Tu as pleuré ce jour-là. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Tu as dit, c'est bien Gédéon, tu es mort. Tu as mangé. Tu as dit ça.
Ah, si c'est pas l'eau, c'est l'eau. Ça m'a pleuré. Non, t'as dit quoi? Et t'as tué la dernière personne de qui? Hein? Ah, d'accord. La femme de ton oncle. Comment t'as tué? Hein, couteau? Toi, t'es dangereuse, hein? Il y a des dimensions de sorcellerie, hein? Comment t'as tué le couteau? Parle fort. Tu l'as tué comme ça. Tu rentres dans sa maison. Hein? Je te demande, ou bien, c'est le micro que tu mets dans ta tête. Tu n'es pas contente. Ou bien, il est délivré. Ou bien, tu n'es pas sorcière. C'est moi qui est venu ici. Oh, c'est moi qui demande de venir ici. Ou bien, tu ne veux pas qu'il te délivre. Tu ne veux pas délivrer. Tu ne veux pas délivrer. Mais tu forces. Et de force. Oui. Tu l'as délivré. Oui. Pas de réfléchir. Tiens. Je te parle, tu ne passes pas du but. Monsieur, levez-vous. Oui. Vous êtes sorcier? Oui. Rien que la vérité? Oui. Vous avez parlé? Oui. Sans me fatiguer? Non. Vous avez la sorcellerie? Qui vous a donné la sorcellerie? C'est ma tante Joséphine qui m'a donné ça. Un badal. Comment? En bruit de choses comme un tarot. Parlez dans le micro, si vous avez le micro. En bruit de tarot, je l'ai indiqué à Pussy avec des mille ouïes. C'est pas là, elle m'a donné. Comment? Et c'est là qu'il est devenu sorcier. Voilà. Quand tu veux manger à Pussy, tu es devenu sorcier. Quoi expliquer? J'ai pris la première bouche, j'ai mangé, je n'ai rien vu. Deuxième bouche maintenant, j'ai vu des hommes n'importe qui à une autre manière. Comment? De l'autre manière? J'ai vu des hommes avec des formes. J'ai vu des hommes à feu, j'ai vu des mosquées qui bougeaient, des poulets, tout ça là, c'était mélangé. Donc allons-y. Et là, c'est des sorciers. C'est vous avez le sorcier fait quoi? Le sorcier ne fait qu'à tuer, à gâter. Et puis tu étais resté, disons, tout ce temps, le micro. Hein. Oui. Et vous êtes resté, disons, tout ce temps là. Mais si je n'avais pas un sauveur, un conseiller qui devrait me conseiller, que ici, là, c'est on pas a, quoi. On a tes conseillers. On a quitté. Tu as quel âge? Le 16 janvier, j'aurai 72 ans. C'est toi même dans mes conseils. Tu ne sais pas que ce n'est pas mon sauveur. Quelqu'un a quand même été dit de quitter dedans. Un nouveau village qui est atteint aujourd'hui. Tu sais monsieur, pas non. L'âge que tu as 72 ans, là, c'est quelqu'un qui avait été dit que ce sauveur n'est pas bon. Tu t'as quitté. Pourquoi je suis venu sur vous? Je vais ce soir dans quelques jours. Maintenant, j'ai su que vraiment ce que je faisais n'est pas bon. On t'a envoyé ici pour te délivrer. Oui. C'est vrai que tu voulais manger les vacances. Pourquoi je suis venu sur vous? On a étudié sur ce lieu. Quelqu'un n'a pas de conseil. On a donné un conseil. Quel conseil? Tu sais pas que c'est mauvais.